Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, Papa, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, Seigneur, Papa, pour cette grâce d'être encore debout ce jour. Nous te bénissons, Seigneur, Père éternel, pour ta faveur et ta grâce que tu nous manifestes, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce culte, ce moment de louange, d'adoration, l'exhortation, Seigneur, Papa, l'intercession. Merci parce que de A à Z, tu es le Dieu qui vient diriger, présider toutes choses pour ta seule et unique gloire à toi seul. Merci de ce que toute chair se tait maintenant et que toi seul tu t'élèves, Seigneur Père éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Dieu très haut. Nul n'est semblable à toi, nul ne peut égaler ta grandeur et ta splendeur. Nul ne peut égaler ta puissance, Seigneur Dieu. Tu es si bon, tu es si grand, tu es si saint. Personne ne peut se présenter devant toi sans se prosterner et dire que tu es grand et dire que tu es saint, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es le Dieu trois fois chaque, éternellement et à jamais, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous allons passer au message. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, Père éternel, Papa. De ce que, Seigneur, Père éternel, Papa, tu viens conduire, Seigneur, Papa, ce message. Merci pour ta parole, Seigneur, Papa, que tu envoies cette parole qui nous délivre de toute espèce de captivité. Papa, je lis tout esprit, tout démon de distraction, de confusion, Seigneur. Merci pour l'humilité, la douceur qui anime nos cœurs. Et pour comment, Seigneur, Papa, nous acceptons ton conseil, Seigneur, Papa, afin de marcher en pleine communion avec toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5 et ensuite nous lirons le verset 14 et le verset 24. Je répète, 2 Samuel chapitre 11. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5 et du verset 14 au verset 24. Je suis dans la version 8 secondes. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fils d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Nous sautons, nous allons au verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Verset 24. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, au travers de cette brève exhortation, j'aimerais nous encourager et nous avertir. Une fois de plus, attirer nos attentions sur une vérité spirituelle que plusieurs semblent bafouer. C'est en m'inspirant de cette histoire concernant le roi David, connu dans la parole de Dieu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui, à cause de la garde baissée, à cause de la distraction, cessa de l'être, car a posé une série d'actions qui ont déplu à l'Éternel. Je viens à nouveau souligner que le péché est une spirale dangereuse qui marche comme un engrenage. D'un péché en est un autre et ainsi de suite. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de nous éloigner du péché. Et je dirais même plus, c'est de notre responsabilité, comme nous aimons Dieu plus que toute autre chose, plus que nos propres chairs, plus que nos propres volontés, et que nous avons choisi de lui obéir et de fuir le péché. Le passage à peine lu relate le péché et la chute tragique du roi David. Dans l'édition d'aujourd'hui, je viens encore nous dire que le péché a des conséquences. Même si Dieu le pardonne, sachant que le péché entraîne des conséquences qui peuvent se révéler terribles pour nos vies comme pour nos familles. Sachant par ailleurs que le péché marche avec la chute. Le salaire du péché, c'est la mort. Un enfant de Dieu ne doit jamais se déshabiller spirituellement comme nous l'avions déjà dit lors d'une précédente édition. Ne doit jamais spirituellement être distrait. Car le verset de 1 Pierre 5, 8 nous dit que Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et nous savons tous que le péché, c'est la seule chose qui
donne le droit légal à l'adversaire de détruire nos vies. Et pour ce faire, le diable utilise nos propres faiblesses. Il nous pousse nous-mêmes à ouvrir les portes afin de nous frapper. Donc, j'aimerais mettre en garde une personne qui m'écoute aujourd'hui contre l'ennui. Bien-aimé, l'ennui, tel que nous le voyons, nous l'entendons, c'est quelque chose de très dangereux parce que l'ennui mène au péché. Certaines personnes, quand elles s'ennuient, commencent à poser des actes terribles, des actes pervers. Des actes qui, demain, auront des mauvais résultats. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte, mais le lendemain seront lourds en conséquence. Ainsi, nous pouvons voir des hommes ou même des femmes engagées, mais parce qu'elles commencent à s'ennuyer, flirtent, draguent. Des femmes, des hommes plaisantent n'importe comment, à tort et à travers. Des personnes qui s'ennuient, qui se livrent à des péchés comme la pornographie, qui s'ensuit de la masturbation. Et je dis, cela c'est valable pour les femmes aussi. Il y a plusieurs femmes qui également, parce qu'elles s'ennuient, commencent à regarder tout et n'importe quoi, tout comme des hommes, à se livrer à tout genre de conversations téléphoniques, des discussions sales, des commérages, des médisances, des mensonges. L'ennui peut se révéler être un piège très dangereux pour certaines personnes qui ne contrôlent pas leurs intelligences. Attention à l'ennui. L'ennui pousse parfois les gens à se rendre chez certaines personnes, rendre des visites à tort et à travers sans discernement pour aller dire et faire du n'importe quoi. Un enfant de Dieu authentique occupe en tout temps ses pensées avec la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu m'écoutes en ce moment et que tu reconnais que quand tu t'ennuies, il y a quelque chose qui te pousse vers le mal, vers le péché. Médite les versets. Prie quand tu t'ennuies. Reste en communion avec Dieu. La communion avec Dieu ne t'empêche de rien faire. Tu peux faire ton ménage en priant. Tu peux même conduire, aller faire tes courses. Tu peux te balader en écoutant l'adoration ou la louange, en restant en communion avec Dieu. Il est plus que important de fermer les portes d'accès au diable. Si tu te rends compte que lorsque tu as fini de faire tout ce que tu dois accomplir comme besoin, ou alors si tu es en vacances, ou alors arrête le travail pour un laps de temps pour se reposer. Si tu te rends compte que quand tu n'as rien à faire, ta chair commence à te recommander le péché, bien-aimé, prends les choses en main et évite de te retrouver dans certains contextes. Philippiens chapitre 4 verset 8 dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà ce qui doit habiter l'intelligence, la pensée d'un enfant de Dieu authentique et non la perversion, et non la saleté, et non le péché, et non les bêtises. Et c'est un exercice quotidien où tous les jours on renouvelle l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose qui se fait instant après instant, car nous sommes encore dans des corps de chair et la chair telle que nous la voyons, c'est quelque chose qui nous menace. La chair est enclin à faire le mal, inspire le mal. Le péché est autour de nous, mais nous devons pouvoir dominer sur lui en nous soumettant à la parole de Dieu. Je ne le dirai jamais assez, nous devons protéger nos têtes. Nous devons protéger nos têtes parce que le terrain du combat spirituel, c'est dans la tête, c'est dans l'intelligence. Et le diable rôde et inspire sur constamment le péché. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends comme voix à l'intérieur de toi quand tu es seul? Sache que tes actions que tu poses quand tu es seul là démontrent qui est-ce que tu écoutes. Si tu écoutes la voix de Dieu ou bien si tu écoutes la voix du diable, tes actions sont le résultat de ce que tu penses, de ce que tes pensées ont, des pensées qui t'animent. Quand tu mets en action quelque chose, ça veut dire que c'est ce que tu pensais dans ta tête. Or, Dieu ne cesse de nous parler, de nous prévenir. Et c'est nous qui ne prenons point garde. Quand on commence le péché, pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, qui sont passés par la nouvelle naissance, déjà quand tu tombes dans le péché, toi-même tu ressens que le Saint-Esprit est attristé, que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Mais tu le fais quand même. Tu fonces quand même dans ta perdition. Mais sache que toute action de péché, tout péché, finit par avoir des conséquences si on ne fait pas attention. Le Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et le texte que nous avons lu aujourd'hui en est une illustration. Car à cause d'un laps de temps où David ne fit pas ce que son rôle de roi lui demandait de faire, il s'est retrouvé dans le péché. Donc, à chaque fois que tu ne seras pas à la place où Dieu t'appelle à être, tu te places toi-même en mauvaise posture. Tu t'exposes à l'adversaire. Bien-aimé, attention. Veillons et soyons vigilants. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1, nous reprenons, dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne,
David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Bien-aimé, c'est dans la conjonction de coordination « mais » qui se trouve dans ce texte que se trouve le problème. « Mais » ici exprime un contraste, exprime clairement que David n'était pas en train de faire ce qu'il était censé faire en tant que roi. Et ce n'était même pas dans les habitudes de David, comme nous le lisons à de nombreuses reprises dans les chapitres précédents, de se retrouver comme ça alors que son armée se trouvait sur le front de bataille. David avait pour habitude de se trouver à la tête de son armée sur des champs de bataille. Mais cette fois-là, il n'était pas à sa place. C'est dans la conjonction « mais » de ce passage que le décor de son péché dévastateur est planté. Mais David resta à Jérusalem. Bien-aimé, à tes voix, aux pensées qui t'arrivent, discerne qui est celui qui te les inspire. Je redis encore que le diable rôde et lorsqu'on s'y attend le moins, il frappe. Toi qui m'écoutes en ce moment, avec quoi contrôles-tu tes pensées? J'ai plusieurs fois enseigné que nous ne sommes pas plus forts grâce à nos propres résolutions, à nos raisonnements personnels, parce que nous ne sommes pas plus forts que Satan. Satan est beaucoup plus rusé que nous et il agit dans ses attaques avec la fourberie, la flatterie et la dissimulation. Et la seule chose qui met en déroute le diable, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'enseigne en Matthieu chapitre 4:4. Donc si en tant que croyant, tu fais preuve de nonchalance, de légèreté spirituelle, sache que Satan va te renverser. Parce que la parole dit qu'il attend toujours un moment plus favorable pour frapper. Voilà pourquoi le croyant doit toujours être sobre et vigilant et surtout sur ses gardes. Parfois, nous avons encore besoin d'entendre encore et encore ce genre de message. Parce que certaines personnes pensent qu'elles sont si bien assises spirituellement que Satan ne peut pas les renverser. Et pendant ce temps, se permettent de jouer avec le feu. Si tu penses que tu es arrivé spirituellement, sache que personne ne l'est. Même le Seigneur Jésus-Christ, même Satan n'a pas eu froid aux yeux d'aller le tenter, à plus forte raison nous. Ta position d'homme selon le cœur de Dieu, de roi, de pasteur, de bishop ou que sais-je encore, ne t'exempte pas de chuter, bien au contraire. Ne baissons pas nos gardes, n'ouvrons pas les portes, sinon l'adversaire va nous détruire comme cela se doit. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Attention à nos marches spirituelles. C'est l'été, c'est le départ en vacances, c'est les balades, c'est les visites. Attention à nos marches spirituelles. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre le cas de David, qui au lieu de faire ce que tous les autres rois faisaient à cette époque, c'est-à-dire partir en guerre, au lieu de se mettre en campagne contre les Ammonites, David envoya Joab à sa place pour rester oisif dans son palais. La négligence de David à l'égard de ses responsabilités de roi, sa préférence pour le confort et l'oisiveté, sa tendance à laisser errer ses regards, bien-aimés, lui ont coûté cher. L'oisiveté, l'ennui, constitue parfois une occasion très dangereuse de tentation et de chute. Poursuivant la lecture du verset 2 à 4, il est écrit « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. » Ça veut dire qu'elle se lavait, prenait sa douche. Et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Bien aimé, la parole nous dit que David se promenait sur un toit du palais un soir. Et qui dit toit, dit endroit le plus élevé du palais, qui permettait comme ça à David d'avoir la vue sur tout ce qui se passait dans les cours des maisons plus proches de son palais. Et pour notre gouverne, c'est sur ce fameux toit que plus tard le fils de David, Absalom, poussé par son conseiller satanique Achitophel, va coucher avec toutes les concubines de son père devant tout le peuple d'Israël. David, au lieu d'être au front comme ses collègues rois à la tête de son armée, va se retrouver un soir sur le toit d'un palais et va apercevoir une belle femme, mais cependant c'est la femme de son serviteur Uri. Bien aimé, faisons attention de rester dans les positions dans lesquelles nous devons être. Spirituellement, nous devons faire attention et même physiquement, faisons attention à là où on se retrouve. Et là commence un enchaînement de faux pas spirituels qui auront des graves répercussions plus tard et qui vont découler sur le jugement de Dieu, comme nous le savons, pour le restant de la vie de David. Bien aimé, le récit des péchés de David et des tragédies qu'il
ont entraîné dans sa vie personnelle et familiale constituent un exemple sérieux qui doivent nous servir d'avertissement à nous aussi. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, a dit ces choses leur sont arrivées pour servir de quoi? D'exemple. Et ont été écrites pour notre instruction. Tout ce que nous lisons dans la Bible est arrivé pour servir d'exemple et ont été écrits pour notre instruction. Bien-aimés, je le redis, veillons à nos pensées, à nos intelligences. L'adversaire inspire sans cesse le péché, la saleté et cherche constamment à nous égarer du bon chemin. Attention à la perversion. Toi, tu es un homme ou une femme mariée. Mais tu aimes regarder la nudité des autres, pourquoi? Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que tu convoites la propriété des autres? Pour quelle raison? Tu es un enfant de Dieu, mais tu te livres à la calomnie, au mensonge, sur le compte des autres. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es attiré par la pornographie, par la saleté. Tu es pervers. L'Exode chapitre 20, verset 16 dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Le mensonge est rempli dans ta bouche, pourquoi? Pourquoi la médisance est remplie dans ta bouche? Tu es un enfant de Dieu, tu es plongé, versé dans tout ce qui est impudicité et tout genre de saleté. Sachant que le péché est une spirale entraînante. Un péché accouche un autre péché. Ça veut dire qu'entraîne un autre péché. Un péché, bien-aimé, que tu commences aujourd'hui, peut t'amener très loin, peut t'amener dans les extrêmes, te pousser très loin, aux endroits où on ne s'attendait même pas. Tu commences simplement une affaire et puis tu te retrouves coincé, tu en enchaînes. Pour t'en sortir, tu prends autre chose, après encore autre chose. Voilà comment David est passé de l'homme selon le cœur de Dieu à quelqu'un qui est devenu un meurtrier, meurtrier d'un innocent, un adultère. Bien-aimé, attention à l'engrenage du péché. Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne veille pas, on baisse la garde. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 6 dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se quoi? Divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Attention aux mauvais désirs de nos cœurs bien-aimés. L'expérience du roi David démontre bien jusqu'où on peut tomber lorsqu'on s'écarte du droit chemin, lorsqu'on ne pratique pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'observe pas ses commandements, lorsqu'on ne se soumet pas aux directives du Saint-Esprit, lorsqu'on se plie à nos propres convoitises. On exécute ce que nos chairs nous demandent de faire. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. David au départ avait été choisi par Dieu à cause de son cœur, mais bien parce qu'il ne veilla pas sur ses voies, s'attira la colère du Seigneur. Nous connaissons tous la suite de l'histoire avec le prophète Nathan. Et bien que par la suite, il se répentit de tous ses péchés et qu'il obtenu le pardon de Dieu, David a quand même subi les conséquences de ses actes, comme nous le savons. Les péchés de David furent adultère, meurtre prémédité et dissimulé, mensonge. David, en un seul jour, a transgressé le 6e, le 7e, le 9e et le 10e commandement, tel que le prescrit Exode chapitre 20, verset 13 à 17. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, il a pris la forme de quelqu'un. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, il a menti contre lui. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est une tristesse. Un seul péché a entraîné une succession d'autres péchés. Tout ça pour une personne qui était censée être le berger du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, quelqu'un qui était chargé de faire régner la justice et la droiture en Israël, tel que le dit le 2 Samuel 8:15. Voilà une personne qui était censée faire régner la justice et la droiture. Regardez l'enchaînement. Le péché nous rend sales et misérables. Bien-aimés, veillons sur nos marches et ne pas détruire ce que Dieu nous a donné comme bénédiction, car le diable n'apporte que la destruction au travers du péché. Commençons à éviter les situations embarrassantes. Ne nous disons pas que bon, c'est l'été, on est là comme ça. Pendant l'été, les gens se déshabillent, les gens ont chaud. Il y a des personnes ici comme ça que le diable utilise, des esprits diaboliques. Ils marchent presque nus en route. Un enfant de Dieu ne se livre pas à tout genre de regard. Un enfant de Dieu, parce qu'il a pris un congé au travail, quand il est seul, ne se met pas là en train de chercher à faire toutes mauvaises choses, croyant que personne ne le regarde, il a abri des regards. Bien aimé, le Seigneur te regarde et le diable aussi te regarde. Il y a certains milieux qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter. Il y a certaines heures, comme la parole dit ça, que David s'est levé un soir de sa couche. Il y a des endroits où tu dois éviter de te retrouver à certaines heures. Il y a certaines fréquentations, certaines personnes que tu dois éviter parce que certaines personnes
personnes cherchent à entraîner les autres dans leur péché. Ils sont spécialistes de ça. Quand tu commences à marcher avec eux, ils t'amènent seulement dans la saleté, à faire l'impudicité, à faire des commérages. Il y a certains sites internet que nous devons commencer à éviter. Certains soi-disant influenceurs sur internet que nous devons éviter de suivre. Certains exemples que nous devons éviter de suivre. Il y a certains même programmes télévisés, certains films qui nous poussent au péché. Ça nous inspire le péché. Dès que tu as déjà vu les premières images, c'est comme un esprit qui te saisit et tu commences seulement à penser à ça. Et ça te pousse à mettre à exécution certaines choses. Bien-aimés, faisons attention. Examinons nos pensées. Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce qu'elles viennent de la chair? Regardons qu'est-ce qui nous inspire. Si une pensée t'inspire le mal, l'immoralité, la haine ou que sais-je, sache que ça vient directement du diable. Et c'est ta responsabilité de la rejeter, de ne pas la mettre en exécution, afin que le diable ne puisse pas trouver en toi un accès pour te détruire. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Amen.